Le jour de mon enlèvement, 5 hommes m'ont violé. Puis, ils m'ont amené leur campement. Et là, le chef m'a dit que je serais sa femme. Toumaïli n'a pas tardé à tomber enceinte. L'accouchement a duré plusieurs jours avec de graves complications. Après une année sans nouvelles de leur fille, ses parents étaient heureux de la retrouver en vie. Mais la plupart des femmes ayant subi des viols ou qui souffrent de fistules sont rejetées par leur mari, leur famille et leur communauté. Quelques fils de refuge pour les victimes de violences sexuelles. Mais très peu de femmes ont la chance d'arriver jusque-là. Aujourd'hui, Honora vit à Bukavu avec 3 de ses enfants. Sa vie est un combat quotidien. Depuis son enlèvement, elle n'a toujours pas revu son mari et ne sait pas s'il serait prêt à l'accueillir. Et puis, il y a la peur de représailles de ses ravisseurs. Elle n'ose pas rentrer chez elle. Ce sont des choses que je ne pouvais jamais imaginer que ça pouvait être. Je savais que j'avais presque fini. Ils égorgeaient les femmes qui leur résistaient. Après, ils les jetaient dans une fosse commune. Parfois, ils y jetaient aussi des femmes encore en vie, les aspergeaient de bouillante. Ou alors, ils les brûlaient vives. À l'hôpital de Panzi, les médecins nous ont présenté une jeune patiente de 17 ans. Elle a voulu témoigner sous un nom d'emprunt, Toumaïli. Ça veut dire espoir en Swahili. Toumaïli a été enlevée en mai 2006 par une ministre de 30 ans.